Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo de la série Vivre et investir au Canada, je te rappelle, Vivre et investir au Canada, c'est une série de vidéos qui vont te donner des bonnes pratiques et des bons conseils pour réussir ton immigration au Canada. Par la suite, nous verrons ensemble comment s'intégrer au Canada sur le long terme et investir dans l'immobilier ou ouvrir ta propre entreprise ici au Canada. Dans cette nouvelle vidéo, je te parlais de parrainage pour les conjoints de fait, pour les PVTistes. Donc, si tu as ton PVT et que tu es en couple, sache qu'il existe un moyen pour ton copain ou ta copine, en fait, de pouvoir bénéficier d'un visa de travail ouvert afin de te suivre au Canada. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Je t'invite également à liker la page Facebook pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs entre la France, le Canada et la Belgique. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube, dont je mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Par ailleurs, je t'invite également à télécharger ton guide gratuit qui s'appelle Comment s'installer au Québec, les trois conseils clés. Je mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires et tu le recevras directement dans ta boîte mail. Alors, comment parrainer son conjoint de fait qui vient d'obtenir son PVT? Parce que j'ai fait la recherche, enfin j'ai pas mal traîné dans les forums de PVTistes, d'Edimiré.com, etc. Et j'ai vu que des fois, en fait, tu as des couples qui disent, bah, moi j'ai obtenu mon PVT, malheureusement mon copain il l'a pas obtenu et je suis obligé d'attendre l'année prochaine pour voir s'il est sélectionné pour pouvoir émigrer au Canada. Ça c'est une erreur que beaucoup de gens font et que finalement ils reportent, voire annulent en fait leur projet d'immigration juste parce que une des deux personnes n'a pas eu son PVT. Sache qu'il existe un visa de travail ouvert spécial conjoint de fait qui va permettre en fait à la personne qui a eu son PVT d'offrir en fait ce visa à enfin à son conjoint, à sa conjointe, pour que cette dernière la suive également au Canada. Donc, typiquement, imagine par exemple, toi tu as obtenu ton PVT, tu es en couple avec une personne, tu vas pouvoir venir au Canada et faire une demande de travail ouvert et faire une demande de visa de travail ouvert pour cette personne-là. Et ce visa de travail ouvert sera rattaché à toi en fait, donc à ton visa, donc à ton PVT, et ça va permettre à ton conjoint ou à ta conjointe de travailler au Canada à la même durée que ton PVT en fait. Donc si tu es belge et que tu as un PVT d'un an, ton conjoint ou ta conjointe bénéficiera d'un visa de travail ouvert d'un an. Si tu es français et que tu as un PVT de 2 ans, pareil, ton conjoint ou ta conjointe bénéficiera d'un visa de travail ouvert de 2 ans, lui permettant en fait d'exercer n'importe quel type d'emploi ici au Canada. Pour y arriver, il y a plusieurs choses à mettre en place. En fait, il faut prouver 12 mois de relation avant la demande. Donc, si tu es en couple depuis 1 an, 2 ans, il faut au moins que tu puisses prouver 12 mois de relation à l'immigration du Canada. Et pour cela, il faut pouvoir justifier de plusieurs éléments. Je vais t'en donner quelques-uns. Ça, c'est pas une liste exhaustive, mais il y a plusieurs autres éléments que tu pourras mettre en avant, mais je vais te donner les trois, enfin, je vais te donner quelques éléments principaux à absolument mettre en place dès à présent si tu prévois par exemple d'obtenir ton PVT puis d'immigrer avec ton conjoint ou ta conjointe au Canada. Le premier élément à mettre en place en fait si tu es en couple, c'est d'ouvrir un compte joint. Tu ouvres un compte joint aujourd'hui avec ton conjoint ou ta conjointe et vous mettez les relevés de compte à la même adresse. Pourquoi? Parce que ça va te permettre ensuite en arrivant ici de tirer les 12 derniers relevés de ce compte-là, qu'ils soient français, chilien, chinois, tout ce que tu veux. Ça va te permettre de tirer les 12 derniers relevés de ce compte-là et de pouvoir justifier auprès du gouvernement, enfin auprès de l'immigration que voilà, j'ai un compte joint avec cette personne-là. Ça prouve que plus ou moins il y a une relation sérieuse, on va dire, entre elle et moi. Parce que c'est pas, voilà, enfin, généralement les comptes joints, c'est entre couples. Tu vas pas avoir deux amis ou deux potes qui vont voir un compte joint. Bon, je pense pas que ce soit le cas, mais bon, ça sera un peu bizarre. Deuxième élément à mettre en place également, c'est les factures. Vous pouvez prendre un contrat, par exemple EDF, un contrat d'électricité, et mettre les factures à vos noms, à la même adresse. Idem pour la télé, pour Internet, enfin pour le gaz, l'électricité, tout ce que tu veux, c'est de prouver en fait que voilà, que vous habitez au même endroit. Vous pouvez également faire la même chose pour les fiches de paye. Vos fiches de paye, vous mettez la même adresse. Voilà, si par exemple tu habites chez ta copine et que voilà, enfin, souvent tu es là sans être là, mais voilà, plus ou moins tu es chez elle, tu peux mettre en fait ton adresse là-bas pour que enfin, tes fiches de paye arrivent là-bas, que tes relevés de bancaire arrivent là-bas.
En gros, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut prouver en fait que vous habitez ensemble, que vous avez vraiment un lien ensemble. Le dernier élément que je te dirais qui peut être, qui peut avoir un poids lors de ta demande de travail ou de visa de travail ouvert, c'est ton bail en fait. Si vous avez un bail de location à deux, c'est vraiment formidable car ça va prouver que voilà, vous habitez ensemble, que vous avez habité ensemble à la même adresse et cela depuis plus de 12 mois. Donc voilà, ces différents éléments, c'est des éléments qu'on va te demander si jamais tu obtiens ton PVT et que tu souhaites venir avec ton conjoint ou ta conjointe. Voilà, donc c'est des éléments qu'il faudra que tu prépares lors de ta demande de visa de travail ouvert à l'immigration du Canada. Donc je connais plein de gens ici qui ont eu cette situation, qui sont arrivés et qui finalement ont demandé un visa de travail ouvert. Ils ont pu justifier en fait de 12 mois de relation. Donc voilà, c'est pas la peine d'attendre en fait. Si tu es en couple aujourd'hui et que tu souhaites réaliser ce projet d'immigration avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est pas la peine d'attendre 1 an, 2 ans en espérant que la personne soit sélectionnée pour pouvoir immigrer au Canada. Parce que des fois, la pire des choses qui arrivent, c'est que un ait son visa, que l'autre ne l'ait pas et que finalement vous vous dites, ben, ça sert à rien parce que voilà, t'as pas eu ton visa, donc ça sert à rien qu'on parle parce qu'on voulait partir à deux. Si tu mets en place ces mécanismes-là, donc voilà, d'avoir un compte joint, des factures d'électricité ou d'internet à vos deux noms, d'avoir des baux, d'avoir toutes vos fiches de paie, tous vos relevés bancaires qui arrivent à la même adresse, donc de vraiment prouver que vous avez vécu à la même adresse pendant plus de 12 mois. Tu vas arriver ici au Canada, tu vas faire ta demande, tu vas donner les pièces justificatives et directement tu auras ton visa de travail ouvert. Donc voilà, si tu as plus de questions, je t'invite à laisser des commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager à tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada ou qui se posent la question de comment immigrer avec mon conjoint ou ma conjointe. Je t'invite également à, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, partage la vidéo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!